Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le sens. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. La terre parole là, c'est pour un sociologue, c'est pour un professeur dans l'université de l'État, professeur tout dans l'université Kiskeya. D'après le gars, je dis, ça fait nous là toujours. Et d'après tout, qui ça fait, ça nous a fait pour nous changer la réalité ça. Et puis bon, si moto sous conjoncture, puisque gagnant et choix pour le ministre qui est à l'ordre du jour. Hier, président Jovenel Moïse, pendant la visite que trois il fait dans la direction générale de la police là, il dit on va longtemps, 6 semaines ça, non nouveau premier ministre, ça doit rendre public. Voilà, entre autres, quelques points. Par la mi-temps, émission matin avec le professeur Alain Gilles, qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti matin. Professeur Gilles, son plaisir, pour nous aujourd'hui. Bon, moi, c'est un plaisir tout, et puis merci pour inviter moi, pour vous saluer les téléspectateurs de radio de télévision nationale, qui a fait garder nous là. Et encore merci pour vous inviter moi. Parfait. Ben, pas qu'on a besoin de passer par quatre chemins pour nous démarrer, professeur Gilles. On a regardé ça là comme réalité. Qu'est-ce qui fait jusqu'à présent Haïti, c'est l'allié toujours. Bon, oui, ça c'est une question assez importante, mais faut nous voir ça parce que c'est qui tourne en chaîne. Mm-hmm. Par exemple, m'a regardé 12 septembre de l'année dernière, 2017, t'es aux manifestations. Me mm-hmm. rappeler dans le journal personnellement, m'écrit la rage était palpable, la rage était dans les rues. C'est 12 janvier. Et puis Robinson Geoffroy, qui est un journaliste, qui écrit dans Nouvelliste, tu as gagné un article qui était paru le 12 septembre 2017, qui était gagné comme titre « Où était la police nationale ?» Delimat était attaqué, Unibank Delma 37 était attaqué. Dans l'article de Robinson Geoffroy qui était paru dans Nouvelliste, donc on va suspendre le 12 septembre 2017. Parce qu'il y en a de cela. Donc, sur mon article là, on va retirer le 12 septembre 2017, on va passer son article qui est écrit pour. Et pour ça que passer là. Parce que la question où était la police nationale, c'est le titre de l'article. Et puis je viens avec la question, est-ce que les policiers ont été guéris de salaire, ont pas de payer yo? Est-ce que c'est ça qui était justifié qu'ils n'ont pas tellement présent? Question qui retourne encore à ça. Donc, là on a maintenant des questions comme ça qui posaient. Vous comprenez? Avec un titre où était la police nationale. Donc, premier problème de base que nous gagnons dans le pays, c'est que nous avons travaillé avec un paquet d'illusions. Par exemple, prenons ce qu'on appelle l'État dans ce pays-là, le pouvoir d'État dans ce pays-là. Bon. Et c'est pas. Il y a un paquet de thèses qui parlent de l'État faible, la faillite. Tu vois bien, ça c'est thèse occidentale, puis capable d'agadou saisir un paquet de moins problèmes qui posent dans un ensemble de pays, tels que Afghanistan, tels que Somalie, tels que Irak, et puis le mettre Haïti là dans le tout. Mais c'est que l'État en Haïti, si on a l'autre problème que bien, l'État, en principe, n'a jamais existé. Le pouvoir d'État. Tu vois bien. Par exemple, prenons les fonctions, hein, les attributs de l'État. Hein. Bon, pour, par exemple, la sécurité interne, la violence. Exact. Non, mais qui est mon lié? Mais il n'est pas dans l'État. La police, par exemple, pas répondre aux situations de violence comme ça t'a dû faire d'après certaines personnes. Et puis, il y a cité hier de salaire pour t'expliquer ça. Mais c'est un scandale. En institution qui est composée d'un ensemble d'individus, pas réagir par rapport à salaire. Mm-hmm. En institution, si ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas lié au fait que un salaire pas payé. Or, si dans l'attente des gens, le fait que pas de payer les policiers, ils ne peuvent pas réagir, ils peuvent réagir, c'est un problème. Donc, par conséquent, il y a un problème institutionnel qui est posé. Et on va gagner une police qui a réagi en tant qu'institution. Mais ce n'est pas seulement ça. Et l'IPAN dans l'État, c'est-à-dire que soit l'État qui est une institution qui contrôle la sécurité interne, et bien par conséquent, l'IPAN n'existe non plus. Mm-hmm. On gagne contrôle de violence là, li entre les mains, dont ensemble d'individus puissants dans ce pays-là, qui cap tiré ficelle en une série de groupes, et puis qui crée ça n'est gagné, hein, et ça n'est gagné, et dernièrement là. Il y a un monde qui dit peut-être que ça qui fait nous gagner la qualité de l'État, ça, tout, c'est peut-être depuis après la mort de l'empereur, 17 octobre 1806, et qui fait que après ça, par exemple, un véritable projet national, et qui la cause que nous gagnons là toujours. Bon, lié à ça, définitivement, parce que l'État que des salines de l'Ukraine, par exemple, gagner l'immunité dans l'Ouest, dans le Sud.
c'est lié à la guerre, c'est-à-dire la guerre, la guerre du Sud, en fait, qui était opposée Toussaint à Rigaud. Et dans la guerre, ça, Dessalines avait un rôle extraordinaire. Il y a des historiens, par exemple, allemands, qui allaient jusqu'à dire que la guerre du Sud, l'elle finit, il était finie, et bien, il y avait un véritable génocide qui était conduit en partie par Dessalines. Dessalines, maintenant, parle de l'indépendance plus tard, il parle d'empereur, ou parle des problèmes qu'il posait maintenant, que Dessalines, maintenant, imposait avec son projet. Donc, il est lié, certainement, à l'histoire du pays-là. Mais, nous parlons bien plus de problèmes toujours dans le pays, ça, avec. C'est assez intéressant. L'OAB lit, par exemple, il y a un historien, donc, qui est George Covington, chapitre que consacré à Boyer. Ou à Boyer, par exemple, depuis qu'il est dans le pays, ça, eh bien, le commerce de ce pays-là était contrôlé par des immigrants. Des Haïti, des immigrants qui contrôlaient le commerce, lui, avant même, tu vois, enfin, la reconnaissance de la dette de l'Haïti. Et après, maintenant, la reconnaissance, maintenant, et ça, c'est la reconnaissance de l'indépendance dans l'histoire d'Haïti. Et bien, maintenant, on vient gagner, en Haïti, vient gagner, ça y est, ont économie financière, parce que depuis dette à 150 millions de fois pour te payer, Haïti est obligé de contacter une dette maintenant à la France pour payer pour mes tranches là, 30 millions. Ils font une dette pour payer pour mes tranches là, pour payer la dette là, ils font leur dette. Et puis, parle d'une spirale de la dette comme ça qui est développée, ou entre dans une économie financière qui est contrôlée maintenant par des étrangers. Donc, nous installons une économie qui est fondée sur spéculation financière. Nous l'avons jusqu'à présent. Ensuite, vous venez le commerce export-import qui entre les mains d'immigrants étrangers, nous l'avons jusqu'à présent. Donc, par conséquent, le pays a entré dans un type d'économie qui empêchait que les gagnants, ou pas avec ce sujet foire, ou pas des initiatives d'industrialisation, mais qui disparaissent, qui pas kembe. Donc, le pays a installé depuis ça l'indépendance, et surtout depuis ce qu'on appelle la reconnaissance de l'indépendance, non type d'économie financière, et qui fondait sur l'export-import, fondée donc sur la rente, qui pas fondée sur la création enfin, d'emplois, hein, qui pas fondée sur la valorisation du travail, et bien, qui liait maintenant à son tacarelé, maintenant, cohésion sociale, qui lie à tissu social, puis il y a, donc, qui voulait un tissu social très faible, une cohésion sociale très faible, qui a débouché maintenant sur ensemble, toi bien, enfin, et d'événements ensemble, et d'actions, qui a déstabilisé, puis il y a, ça doit revenir incessamment. Mais non, enfin, c'est résultat choix, nous, ou bien c'est peut-être subi par ça? Oh, c'est pas résultat choix, c'est normal, c'est l'histoire, son histoire extrêmement difficile, parce que ou sorti d'un système colonial et esclavagiste. C'est ces deux. Donc, par conséquent, dans un premier temps, il voit bien, les Africains ont fait venir maintenant à ces domaines comme captifs, tu vois bien, fait, qui parlent maintenant sommet en esclaves. Nous prenons fait partie du projet de colonisation. Mm-hmm. Comment dire bien ça? Parce que nous pas colonisés. Nous ne colonisons pas, c'est indien. Nous faisons partie de projet de colonisation à notre insu, sans parler. Pour nous sortir là-dedans, ce n'est pas tellement facile. Nous ne connaissons pas si en même temps nous avons colonisé, tu vois bien, enfin, ces domaines avec Français, mais en tant qu'esclaves. Mm-hmm. Parce que nous pas, nous venons mettre par une sorte de lien que nous créons avec les Indiens, nous venons les non-indigènes. Mais les véritables indigènes, c'était les indigènes qui vont exterminer. Comme si on était dans le projet de colonisation. Parce que nous faisons partie d'outils que les Français utilisaient pour coloniser ces domaines. Nous faisons partie d'outils, instruments que ils utilisaient. Parce que nous pas nous-mêmes, nous pas Américains, nous pas aborigènes, nous pas et population autochtone. Mm-hmm. Donc nous faisons partie d'outils. Nous ces outils que Europe utilisée pour coloniser l'Amérique, ça le parle de l'Amérique là, pourquoi on parle là? Donc nous faisons partie de projets. Hein? C'est pas par hasard où vous gagnez maintenant des gens qui appuient sur l'Haïti dans notre perspective. Et ça va le contrôler. Dans une certaine mesure, nous gagnons la caille, nous collons d'une certaine manière, nous collons en tant qu'outil, nous collons en tant qu'instrument, nous collons en tant qu'esclave. Mm-hmm. Mais ça quand même, arrive à un certain moment dans l'histoire, nous, une certaine rupture qui va. Bon, c'est rupture, c'est le mot qu'il faut. Mais pour ça, il faut une lecture, il faut une université, il faut qu'on puisse étudier, il faut qu'on comprenne. C'est un pays où nous. Imaginez, actuellement, là, on a rencontré un chef de parti politique qui a 40 ans, soit parle de Jean-Claude Duvalier et de M. Prophète.
C'est comme si nous avons pour qu'on nous baille. Les chefs partis politiques, oui, on va parler de Jean-Claude Duvalier, et donc je vais quand même fait même. Donc, si on parle de Vincent, ça avait donc été fait déjà. Donc, si on ne parle de Vincent, c'est parce qu'au grand monde, il faut qu'on Vincent. Alors, imaginez, si on parle de Boyer. Or, oh, pays a entré dans une dynamique depuis. Et l'indépendance, c'est-à-dire qu'on va regarder bien avant la reconnaissance de la date de l'indépendance, on va gagner des commerçants étrangers qui maintenant créent des difficultés énormes au commerce national en organisant des ventes, tout va bien faire aux enchères pour faire la compétition au commerce national, compétition déloyale. Nous entrons maintenant dans un pays qui a fonctionné, tout va bien enfin de cette manière-là, et jusqu'à présent, ce n'est pas tellement différent. Moi, je suis en plus sur le présent, c'est étranger, on a combien de pays? C'est pas présent, c'est étranger. Mais là, moi, je me dis, tout va bien en tant qu'immigrant, pendant longtemps, m'étudier, ensuite, moi, je travaille dans un pays étranger, ce n'est pas le problème. Le problème qui se pose, tout va bien, c'est le fait que les élites nationales de ce pays n'ont jamais pu mettre en place un cadre politique illégal pour régler les questions. Ça y est, si elle dit, pardon, si élite il y en a. Bon, c'est-à-dire que mon qui t'a gagné, on était commencé par Dessalines, ensuite on a Christophe, on a Pétion, on a Boyé, et bien on a gagné, il y a encore le problème, des préjugés. L'Haïtien qui t'a gagné une responsabilité pour te créer ça. Les Haïtiens aussi, ils ont Allemands, ils ont Anglais, ils ont Français, là, et bien c'était comme la plus grande chose qui t'est arrivée. On a gagné une série de préjugés, la CAIO, qui fait que, ils ont tellement considéré son va extraordinaire que gagné un Allemand en Haïti pour qu'elle fait commerce et pour qui réglement pour les fêtes. Donc il y a aussi les préjugés. Donc qui te fait que Mdakadou n'est pas capable de créer loi pour maintenant dire comment pour ça doit enfin fonctionner. Mm-hmm. Donc ce n'est pas un grand problème, non. Mm-hmm. Et pas comme un grand actuellement là, haïtien qui est au Chili, qui est au Brésil, qui est en Amérique du Nord. Mm-hmm. Ce n'est pas là la question. Le bon cap qui était créé pour que le monde s'arrête. Évidemment, oui. Mm-hmm. Tous les pays du monde qui maintenant qui développé, c'est avec les immigrants au monde développé. En France, malgré tout nationalisme qui existait, mais qui est-ce que nous avons dit que nous avons dit Sarkozy, mon linéaire en fait de mer et roumaine, ou Emmanuel Valls, c'est d'ouvrir espagnol, même à ce niveau-là, maintenant le sourire est dans le niveau des ouvriers, c'est maghrébin, c'est un qui sort de l'Afrique médiane. Donc, c'est ça, l'Afrique en Angleterre, ou bien les Pakistanais, les Indiens, parce qu'ils sortent maintenant du fait que la France et l'Angleterre étaient colonisés l'Indien, et l'Inde, pardon, avec le Pakistan. Ensuite, avant même, pas de gagner les deux. Et ensuite, ou bien en Allemagne, ou bien les Turcs. Donc, par conséquent, gagnons une immigration qui est liée à la colonisation et qui contribuait énormément au développement de l'Europe. Mais ils ont créé, ils aussi, ils ont même fait le genre, ils ont voulu. Mais nous-mêmes, nous pas jamais bas nous, parce que justement, il y avait le système colonial esclavagiste, nous pas jamais, nous pas jamais bas nous, des cadres pour, pardon, vous comprenez que ma bouffe c'est actuellement là. On va gagner contre la présence, alors il faut que je souligne ça, on va gagner contre la présence, toi bien enfin, de gens d'origine étrangère dans ce pays-là, un titre ou un autre. Mm-hmm. On gagne contre le fait que nous pas qu'à battre nous un cadre légal, toi bien enfin, pour gérer, on voit comment ça passe. C'est ça le problème, non? Par exemple, moi constater que dans plus commerce, gagner des gens étrangers qui contrôlaient et qui employaient pour contrôler stock, qui n'ont comptabilité, qui n'ont caisse. Par exemple, mon papa dit qu'il commence à y aller, mais il y a un peu le supermarché, il y a un monde qui a un peu le commerce, un gros commerce. Généralement, le supermarché. C'est le monde qui sort dans l'autre pays, mon papa dit qu'il pays. Tu vois bien, parce que mon papa n'a pas l'impression que mon papa va créer problème contre ça du tout. Ça ne pas fait ça, parce que c'est une immigrant tout moi-même. Et tu vois bien. Mais, l'homme pose des questions, par exemple. Me poser une fois question à un responsable de commerce pour qu'il s'agisse de venir des étrangers pour occuper des postes, toi bien en fait dans le commerce. Ça, c'est un gros problème de chômage dans le pays. Il dit que par exemple, bon, et ça, il y a des guérisons. Eh bien, ici, il y a un problème, il y a un problème. Dans le sens comme si il y a volé. Ou mettons ici nos entrepôts, et puis ils font l'autre boutique, Ndagado, à partir de poste ligue. Bon, ça c'est l'autre question, pour nous comprendre. D'où vient-il que, eh bien, ou gagne un type qui a une motocyclette, qui nous baille les soldes, qu'on baille ça, mais qui mettait l'argent ensemble. Non, qui baille mettait l'argent chaque mois. Oui, sol. Quand il y a travail, il mettait $100, il mettait, mais c'est ça, c'est parfois, on n'a pas qu'à vu pour faire ça. L'argent, nous se voit là, l'acheter une moto.
li bay moto à un cousin d'Agadou qui pour travailler avec lui, et puis moto à, et puis cousin disparaît. Bon, d'où veut-il que vous avez des comportements systématiques, parce que ça c'est pas un hasard, c'est pas une déviance. D'où veut-il que vous avez des comportements comme ça qui fait que maintenant vous avez une confiance dans la société? Vous arrivez à l'épidémie comme ça, mais il y a un truc qui pourrait vous s'agir. Bon, il n'y a jamais eu de projet national après la mort de Saline. Il y a un monde qui croit tout, c'est parce que nous n'avons jamais approprié de l'espace là qui fait que nous n'avons pas arrivé à entendre son véritable projet qui t'a aidé nous au plan de développement. Oui, il y a beaucoup de l'espace là, par exemple, ça sont questions. Là, par exemple, vous gagnez, ben, n'oubliez pas. Ou pas le gagner, on ne peut pas contrôler appareil qui peut avoir l'État dans le pays. Ce sont des gens qui sont en position ambiguë par rapport à projet. Ils ont pas le créer, ils ont un problème. Parce que tout dès le départ, ils ont une obsession identitaire. Mais à qui ça veut identifier? À l'Europe. Et pour l'identifier, pour montrer l'Europe que le bon. Pour le bon forcé, il faut européen reconnaître. Et c'est quoi le passé? Quoi le tendance maintenant à expulser, à exclure de ce pays-là tout ça qui pas rappeler l'Europe? C'est ainsi qu'on parle gagner le pays en dehors. Ben, comment on voulait maintenant pour bailler les pays en dehors? Comment on a ici? Oh, monsieur, mon patron, oui, que d'autres depuis quelques temps, bah, oh, ah, monsieur, en dehors. C'est une expression qui existe maintenant dans le palais, non? M'en dehors. Mon étudiant que m'a ouais on prend c'est mon bon l'asile lié qu'est temps pas ouais lui me dit au côté qu'on s'en bat on t'en de yo. Oh, écoutez bien mon vieux, pour que des gens on connaît par exemple pendant longtemps dans ce pays qui gagne deux actes de naissance. Mm-hmm. On acte de naissance pour paysan, on acte de naissance maintenant. Écoutez, mm-hmm. Ou pas le gagne dans l'enseignement, ou pas le gagne l'école rurale qui pas d'yom te viré par administré par même ministère là, c'était Damien que Dieu t'a viré l'enseignement rural. Et puis c'était le ministère de l'Instruction publique qui était géré maintenant l'enseignement urbain. Mmh. Et même l'histoire de l'enseignement rural en Haïti liée à l'occupation américaine. Donc on peut le gagner, par exemple. Plusieurs pays, non seul pays. Exactement. Donc, mais l'histoire aussi de préjugés que si on ne pas sembler l'Europe, eh bien c'est en dehors pour vivre. Mmh. Et pas rien qui fait non plus. Non seulement, il n'y a pas rien qui fait non plus pour tout le monde sembler l'Europe. Bon, t'as qu'à dire, bon, ok, au gros projet, on veut l'Assemblée Europe. Mais qui sera fait pour faire l'Assemblée Europe là? Non, ils excluent. Bon, dès le départ, c'est greffé sur un ensemble de préjugés, sur un ensemble de représentations, hein, que nous modernes, en vrai, nous battons toutes les structures que nous retrouvons en Europe, nous gagnons de grands avocats, nous allons étudier en bonne le droit en Europe. Tout premier avocat haïtien. Donc, bien avant Jifois, bien avant le Concordat, on avait des écoles dirigées par des Français dans ce pays. Bien avant le Concordat. Ce n'est pas avec le Concordat que l'Église catholique a contrôlé, toi bien enfin l'enseignement, a contrôlé Haïti. Donc, toute l'élite de ce pays-là, sont agréés, tout le monde qui était considéré comme étant important dans le pays, ça, tient à ce que petit qui auront éducation à la française, que même pourquoi pas de talent en Europe, tout, etc., etc. Donc, et qui a habité non jusqu'à présent. Mais en fait, c'est subi, ça. Mais nous, au final, c'est l'histoire, c'est production. On parlait de rupture tout à l'heure là. Mm-hmm. On parlait de rupture. Mais si maintenant on n'est pas conscient de lui pour faire, parce qu'on ne peut pas dire on va faire rupture et puis on va faire rupture. Mais non, il faut gagner une réflexion pour produire, une réflexion dans le débat, une réflexion organisée. Pas une réflexion comme si je suis à la caille, moi je réfléchis, mais que non. Une réflexion organisée, mm-hmm, dans des lieux, que les parcs, que l'école, que l'université. Et puis qui pour maintenant, les gens qui sont passés par il vient responsable et puis le café là, les politiques qui propre maintenant pour café ça, mais nous pas de ça, nous pas de contrôle. Bon, nous tout à l'heure juste n'a pas de ça, désolé, les cohésions sociales, regardez les écoles de ce pays là, mais fait pour nous dès le départ les écoles étaient contrôlées par des Français. Tous les gens qui, tout le monde qui recevait un diplôme en droit dans ce pays là, fait droit en France. Bon, alors par conséquent maintenant ça va gagner. Non, c'est donc maintenant, sauf que ça, vous venez de gagner, tout le monde qui a un minimum des as dans ce pays-là, et qui gagne une représentation de vous-même, qui est liée à la représentation traditionnelle, nous, et bien, vous et petit, dans des écoles étrangères dans ce pays-là. Ou pas citer non l'école pour pas faire me laisser une impression pour pas mettre pointer du doigt, parce que dans ce pays là la nous avons une époque extrêmement difficile. Bon, maintenant vous venez gagner l'État, c'est ça madame Tabdoula là, l'État pas maîtriser institution qui pour renforcer tissu social là, l'État pas maîtriser, pas contrôler institution qui pour contrôler violence dans le pays là. Mm-hmm. Les ports maritimes dans ce pays là. Mais l'État contrôlait les ports maritimes.
L'État contrôle maintenant les ports aériens. Dernièrement, on a eu un scandale à propos de bien fait des camions qui ont été saisis, qui ont entré avec des produits, enfin interdits. Bon, quel est le suivi? Alors, comme par hasard, les chauffeurs ont disparu, comme par hasard, les camions ont disparu. On n'a pas pu traiter ce dossier avec tout le sérieux, toutes les attentes, en fait, comme on est gagné. Et bien, ça veut dire. Ça ne veut pas dire que pas une volonté quelque part, non. Mais c'est-à-dire que les gens qui sont dans les postes formels, pour faire casse question ça, ils n'ont pas qu'à faire. Il y a des résistances aussi maintenant des appareils. Alors, vous pensez que nos ministres, vous pensez que l'IGE contrôle de son ministère, il y a des réseaux à l'intérieur, tu vois bien, fait des ministères qui sont liés maintenant à des groupes X ou Y, qui ont contrôlé maintenant, qui ont contrôlé ce qui se passe dans ce ministère avec guillemets. Là, si vous comprenez les démarches à vous, M. Gilles, c'est que ça n'est là, c'est pour moi spontané, son construction. Et oui, en construction historique. C'est pas des gens qui rétiment, qui de mauvaise foi, qui disent mamsel, non. Parce que là, il faut éviter l'approche, toi, bien, on fait pas la déviance. L'approche par la déviance, c'est l'œuvre d'Agadou, où ce qui est dominant, ce sont les règles, l'État existant en tant qu'institution forte. Et puis, il y a des gens maintenant qui pensaient, il y a joué avec l'État, et puis arrêté, et puis ils ont été en prison, etc., etc. C'est là la déviance. Alors, c'est malgré nous là. Non, il n'est pas. Non, et d'où pour ça qu'ils sont production historique. Oui, exactement. Alors, ils sont production historique. Donc, par conséquent, si nous pas l'école, si nous pas réfléchi de manière organisée pour nous comprendre ce qui a passé, nous, et bien par conséquent, nous pas changer non plus tout. Ça arrive, avec ce souvent. Prenons par exemple l'opposition. Nous répétons constamment dans le pays, c'est l'opposition. Hier ou bien avant, il y a regardé une vidéo où il a condamné l'opposition pour ça qui s'est passé dans le pèlerin, c'est l'opposition qui font tolérer avec Baïsa. Qui est l'opposition? Si c'est l'opposition, il y a le pouvoir, il y a bien. Il y a l'opposition, dans le sens que vous n'avez pas une société qui est organisée pour un pouvoir, qui gagne opposition, Il y a l'opposition en France, il y a l'opposition au Canada, il y a l'opposition en Jamaïque, etc. Mais qui est l'opposition qui gagne ici? Alors, vous avez 30 000 ou 40 000, vous avez compté combien l'opposition gagne? Vous avez compté combien de monde qui a profité de n'importe quel bail qui passe pour faire partie d'une communauté, on communiquer? Et puis qui convoquait la presse comme leader. Écoutez, on se sait de permettre que ça multiplie sans fin. On prolifération, tu vois bien, enfin. On rentre dans une dynamique de prolifération de ces otakaril entre guillemets partis politiques. On voit pas la monsieur qui dit au parti politique, on voit dire pas existé, il n'y a pas tant de dire ça même. Ça arrivait que m'inviter pour me parler à des leaders entre guillemets de partis politiques entre guillemets, m'a dit que yo pas existé, yo pas tant de même. Dire ça. Même dire ça. Parce que faut pas penser que mais évidemment dernièrement t'es gagné avant justement cette affaire de financement de partis politiques, t'es gagné en sorte d'atelier qui t'es rassemblé des partis politiques, des leaders de partis politiques, mais t'es invité pour vous parler. Même pas là. Monsieur, pas attendez moi. Ou dit, ça ne pas attendez. Il y a fait WhatsApp, il y a fait Facebook, il y a levé, sorti, entré. Ça ne pas empêcher qu'après, ou fin parler, il applaudit. Ça ne pas empêcher après, ou fin parler à tout. Il pose vos questions, mais des questions qui ont été déjà gagnées depuis longtemps, qui n'ont pas aucun rapport à ce dia. On fonctionne de cette façon-là. Mais ma retourne sur mon dit tout à l'heure. Finalement, il faut marquer cette rupture. Oui, il faut le faire, mais il faut le faire maintenant de manière consciente. Il faut faire l'indagado parce qu'on comprend. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il faut commencer par organiser la réflexion. Il faut maintenant et nous organiser la réflexion dans des lieux qui relèvent l'université, dans des lieux qui relèvent les centres de recherche. De plus en plus, on a perdu contrôle et lieu ça. Imaginez que la Landagado, bon mode d'insertion de l'université dans l'international, qui fait que nous n'avons même nous avons un contrôle sur site cap des CRV haïtien. Vous pouvez être haïtien qui a maîtrise, qui a un doctorat, qui a fait dans des conditions qu'Haïti n'a aucun contrôle sur la façon qu'il a produit. Parce que la France également est très cynique. Aucun des pays anciens colonisateurs, anciens métropoles, très cyniques, ils ont décidé d'agadouer, ils ont créé un ensemble de produits, qui ont lié ensemble de mécanismes, qui ont lié par la codiplomation et le programme de tutelle, mais qui n'ont pas qu'à fonctionner parce que nous n'avons pas gagné nous-mêmes suffisamment en fin de points pour nous entrer dans la coopération. C'est aussi des opérations d'anciennes métropoles. Et bien, qu'on pas être jeune qui est entré dans eux, et même pas trop jeune qui est entré dans eux, et puis qui a sorti avec des diplômes de radio, et puis en France, ils ont même appris, ils mettent sous ça. Vous dites, pour la fin d'organiser les réflexions. Ah oui, il faut l'organiser. Deuxième base, ça nous doit le faire. Et voilà, parce que moi, du moment qu'on a produit maintenant, en termes critiques, c'est des quantités suffisantes.
deux gens qui réfléchissent, même ça pour le candidat, même ça pour aller et leader, et bien ce sont des gens qui parlent étudier Boyer, qui parlent étudier la dette de l'indépendance. Parce que la dette de l'indépendance, c'est pas seulement que la dette la créer, c'est un montant énorme, pas de capital. Moi je dis à partir de la dette, nous entrons dans une économie de spéculation financière. Ça c'est différent. C'est pas seulement que dette est tellement important, nous pas de capital. Si c'était ça seulement, bon, c'est ça, nous ne définissons pas payer sur Salomon. C'est pas ça seulement. Il crée une économie de spéculation financière dans ce pays. Et qui fait qui c'est jusqu'à présent? Oui, j'avais fait frais, j'avais fait les frais. Je trouve, les crédits, nous avons un commerce, et nous avons fondé ce commerce export-import. Donc, on a des activités de rente, nous pas investi dans la production. Le monde qui a produit dans le pays, ça, nous avons comprendre, c'est le paysan dans le monde qui a produit café, qui a produit caca, spéculateur, qui a prendre en main de manière violente pour venir vendre maintenant à des exportateurs et des importateurs, tu bien, en fait, qui sont des immigrants étrangers qui ne peuvent entrer dans aucun cas légal. Parce qu'on a un cycle de monde en Haïti, tu as des spéculateurs en souvent qui recevront une certaine somme d'argent. Donc grand exportateur, lui-même lié pour l'acheter café, cacao, coton dans toutes les villes de province. Et lui-même les employés aussi d'autres qui prennent le prend sous tête paysan, petit café, dit café, ça ne sert rien comme produit pour venir mettre son balance pour le cabal sale de bouli. Qui doit organiser réflexion ça? Voilà, maintenant il faut qu'on leadership de rupture. L'organe, par exemple, leadership de rupture, l'organe des gens qui sortent, qui disent des choses, tu vois bien, qui étonnent les gens. On va citer non, ça arrive des fois, que autant que qui a parlé dans le bon sens. Ça qui arrive quand à un moment donné, que vous voyez un monde qui doit écouter bien, ça ne va pas continuer comme ça, il faut changer. C'est-à-dire que, mais combien de gens qui écoutent, c'est pas assez, mais c'est ça que nous voulons, le leadership de rupture. C'est-à-dire, dans tout, au cas où on n'est pas qui secteur, au cas où on est dans le secteur d'affaires, au cas où on est dans le secteur université, au cas où on est dans tout secteur non paysan, le secteur paysan, au cas où on est maintenant dans tout secteur saïwa, maintenant, il faut gagner une façon pour nous faire un tacadou, produit, on va rencontrer, il faut gagner maintenant, et ça, c'est pas facile. Il faut gagner, par exemple, en crise. À l'occasion de l'occupation américaine, on s'attendait à ce que après l'occupation américaine, nous entrions dans l'autre dynamique. Ça ne s'est pas passé. Mais nous disons tout après 86, on était qu'à faire. Mais nous disons tout après 2004, on était qu'à faire. Oui, nous. Après 2010, 12 janvier, on était qu'à faire. Nous perdions plus l'opportunité. Après 1843. Ouais. Ah, toi bien, les Boyer partis. Notez que Boyer partit. Boyer, c'est un premier président qui partit en exil après la reconnaissance, parce qu'il n'était pas parti avant. Il partit dans la convention anglaise. L'un il partit en exil. Parce qu'il a été jusqu'à la reconnaissance par la France, pas de gain en relation internationale avec la plupart des pays du monde, qui était le Saint-Siège, qui était reconnaissé d'Haïti à l'époque, il était commencé à être prêt pour faire l'éducation. Alors, nous, pas de perdre d'opportunité. Parce que justement, gagner, c'est très difficile de sortir. Parce que pourquoi la société n'est pas sortie de son histoire facilement. Parce que pas grand le pays qui fait lui. Par exemple, les États-Unis, c'est très différent son histoire de les États-Unis indépendants. La France, il a participé dans l'indépendance américaine. La France, il n'est pas seulement été reconnaître, il a participé. Parce qu'il y a un problème avec l'Angleterre. Et seulement, et quelques années après, à Paris, et bien l'Angleterre reconnaît l'indépendance américaine. Ma bonne une organisation réflexion ça souvent l'organiser réflexion d'accord que c'est peut-être des leaders et qui va prendre l'initiative là pour faire non des leaders des leaders qui sont prêts à faire la rupture pas les des vieux là actuellement là absolument pas parce que d'abord souvent l'organiser vous reste population je veux dire fond d'accord une crise de confiance par rapport avec tout élite parce que et puis qui vient peut-être venir faire que mon nous vient désespérer je veux dire tout pour y faire le bon crédit pour faire le vrai est-ce que par avoir besoin pour que nous reprennent, nous cherchons à reprendre confiance à la population. Faut gagner, faut produire une réflexion qui est capable de créer un certain qui a créé 2, 3, 4 orientations, écoles de pensée, parce qu'on ne peut pas faire une académie qui est animée nécessairement. Tout ça m'a dit là, grand public qui n'est pas d'accord avec moi. Même si c'est tout à fait normal. Mais nous accepter, nous avons réfléchi, nous avons raisonné, ou pas d'accord avec moi, après ça, comment ça. Le temps, ça a organisé. Ça a organisé. Et bien à ce moment-là, on peut être capable maintenant. Et deux dynamiques, ça, ou pas le produit ensemble de gens, on parlait de masse critique. C'est pas un affaire de 2-3 mounes.
ou pas gagner des gens à travers le pays. Écoutez bien, nous ne pouvons pas nous faire la ZEC dans le pays. Pour faire la détection pour la ZEC, son casse-tête, oui. Nous n'avons pas de contrôle territoire. Nous demandons n'importe qui monde là donc combien. Vous connaissez comme une section communale qui existe. Parce que ça, si on déjà on fasse un territoire qui marqué depuis en fin de la colonie. Mais au-delà de ça, vous gagnez même gens qui étaient faits depuis la colonie. C'est toujours même nous. Santo, Noailles, Jacquet, Vanier, soudain nous sommes coloniales. Maintenant, l'autre n'a pas existé. C'est pour moun yo nan propre localité yo le yo gen besoin pour ka réaménager territoire yo ril di côté en l'autre non par exemple pou ka rive en côté là vous non ti côté qui relé ti servin yo c'est de côté relé comme ça c'est grand papa de relé comme ça et puis bon raison fait que on bonne grande démarcation territoriale qui oblige dans l'autre non zone fusil zone 15 cov bon côté que les téléco ça tape son côté on d'accord d'autre les côtés venir planter on bonne antenne et puis bon le ça autour de pylône ça vient gagner des gens on qui habiter et puis qui pas habité avant et puis les téléco le territoire va le développer comme ça et puis il va faire élection à ZEC l'état pas gagné on contrôle territoire par exemple je veux parler toi bien enfin, du contrôle de fonction de l'état des fonctions qui partent dans l'état. La violence, hein? La cohésion sociale, où les écoles ne sont pas sous le contrôle, tu vois, mais de sorte à carrer de l'État. Donc l'État maintenant pas contrôlé les fonctions fondamentales de sortir de l'État, côté l'État. Là. Maintenant, vous avez tout ça, tout va rentrer dans la réflexion à vous faire. Évidemment. Mais là, c'est qu'on a si un espace, c'est aménager l'espace pour réflexion à faire. Là, nous connaissons son pays, nous avons gardé ça, qui est marqué par l'intolérance, et nous n'avons pas fait notre confiance, ou véritable méfiance par rapport à l'autre, et nous n'avons pas d'accord discuter avec l'autre. Mais ce n'est pas paraître plus compliqué. Mais non, mais évidemment, c'était facile, nous avons fait des déjà. Pas facile. Il faut que un bon espace pour me dire ça m'a dit là que des monde qui tendent les qui d'accord. Mais faut espace ça et pour même inviter moi là juste par hasard. C'est par hasard où inviter moi là ou faut pas oublier non plus ou rencontrer non supermarché et vous dit pour échanger le pataka vienne là. C'est comme ça ça fait oui. C'est que même façon qu'on invite moi l'entrée tout dans façon que nous fonctionner oui. C'est trop bien parce que ou pas gagner ou pas faire suivant la gadon prendre et des mécanismes préétablis qui fait que vous gagnez des professeurs qui gagnent tel si ou pas connait pour commencer yo publié yo parlé yo on connaît que la publication sur l'histoire du pays là c'est contrôlé par les étrangers leur fait une bibliographie on prend sur histoire d'Haïti sur époque coloniale plus ils vont rencontrer ce livre quelque part des étrangers. C'est terrible. Bon, nous pas lio, nous pas connéo. On va nous pas li Covington. Nego font paquet d'efforts yo produit des tomes. Nous pas li Covington, nous pas li Alain Tunier qui écrit Haïti et le marché américain. Nous pas li Chatelain qui écrit la Banque nationale pour nous connaître ça les banques nationales là, c'est faux. Jusqu'à estimer nous pas gagne Banque nationale. Jusqu'à estimer 1948. Et nous faisons un point, ça cap tiré ficelle, et bien c'est étranger. Nous parlons de la première banque nationale sous Salomon, qui n'est pas une banque nationale vraie, qui est une banque à direction française, capitaux français. Et puis donc il y a la banque nationale. Alors maintenant, il est écrit, Joseph Chatelain écrit un livre qui écrit la banque nationale, nous l'y lis. Anne Tunier écrit un livre, Haïti le marché américain, nous l'y lis. Alex Maton écrit enfin son livre sur les comptes là et quand on demande les comptes. Nous lions. Même les rares haïtiens qui étaient la caillou, sans moyen presque, hein, qui produit maintenant des réflexions sur ce pays-là, comment la produit année après année. Eh bien, nous lions une université. Bon, peut-être que c'est peut-être une qualité rapport de développement à la science, tout qui va même être chargé ici. Mais oui, mais c'est. C'est dommage. Eh bien, oui, rapport à la réflexion, même des gens qui parlent pas même aux sciences là, qui parlent de savoir, qui multiplient. On t'a de plaisanterie. On a d'autres problèmes encore. Parce que, gagnons du fait que nous n'avons pas les façons que nous avons produit diplômés, nous, eh bien, on gagne encore
des idées dans ce pays-là qui viennent dominantes, des idées qui marginales. C'est ça qui est encore. Parce que, bon, une série de formations que Cap-Baye dans les pays, surtout la France, Cap-Baye, tu vois bien, enfin, et à des Haïtiens. Mais c'est marginal, oui. Ou qu'arrive en France, et puis on va parler d'un série de professeurs français qui arrivent en Haïti pour des piliers. Et pour citer nous en France, et puis, pas grand-chose, aucun français qu'on est, non? Mais yo vini m'dagado ici, yo créé une série de sous-structures avec des haïtiens m'dagado qui prêts à faciliter la vie, et puis yo roi, et puis y a font paquet de bagaille. Pour question organisation, réflexion, il y a des gens qui parlent de conférence nationale souveraine, état généraux sectoriel, ça n'est pas la joie de dire, où même voulais-tu pas? Faut le fonder sous réflexion, il y a trop de suggestions, il y a trop de temps fait. Et pas de gagner état généraux sectoriel, l'autre là, nous n'avons pas les sectoriels, sous réflexion de la téléphone. Et à partir du moment où vous gagnez une masse d'individus qui a réfléchi sérieusement, le consensus sera plus facile. Mais ou pas qu'à bien des individus qui simplement d'accord état généraux. État généraux, c'est une expression d'ancien régime. C'est la France d'ancien régime qui était qu'on fait état généraux. Eh bien, elle dit, fait histoire, c'est un état généraux. Eh bien, l'abdou, on va next intellectuel, il va avoir un problème. Mais je ne suis pas qu'à compte de le sortir, non? L'histoire de ce que la France appelle les États généraux, qui viennent aboutir à 1789. Mais nous répondons, ou bien comité salut public, on serait de moi ici, moi pile, salut public, États généraux, et puis deux, trois que nous avons, justement, parce que nous faisons partie de l'histoire, ça. Bon, on ne va pas rentrer dans des projets de gens qui, n'importe qui leur comme ça, n'a qu'à nous sortir des expressions sonores, parce que là encore, il faut éviter le gaspillage. Gaspillage de mots, gaspillage d'éloquence. Par exemple, le monde là, toujours une organisation infection, il y a des personnalités. Il a invité, par exemple, à discuter. Et puis il dit, bon, ah, comme c'est Alain Gilles qui l'a pas venu. Il n'a pas parlé à Alain Gilles. Mais c'est, par contre, c'est Joseph qui l'a pas parlé à Joseph. Alors, tout ça, là, tu viens de parler à. Parce que pas d'idée. Il y a monde. Pas une idée. Si c'est monsieur invité, indépendamment de qui ça me fait pour Dieu, par exemple, si c'est ça le problème dans ce pays-là. Algade, par exemple, deux, trois ici qui écrit, mais on va. Bon, on a l'autre problème qui est posé. Même là, nous table de fond qui est apparemment bon, et tu vois, qui pas bon, mais nous faisons façon. Bon, c'est terrible pour me dire ça, on prend de livre en folie. Oh, ben, mais les auteurs haïtiens, on peut rencontrer par exemple des étudiants qui en deuxième année, je me suis dit, ah, maintenant j'ai un livre là, oui, j'ai en deuxième année. Mais écoutez bien, on peut préjuger quand on est étudiant en deuxième année pour lui écrire un livre. Ah bon? Définitivement. Vous savez, mais il va écrire mon livre, toi, mais enfin, et sur les classes sociales en Haïti, des choses comme ça. Il a un livre de poésie. C'est son génie lié, bon, ça peut bien arriver. Mais pour qu'il. Alors, à ce moment-là, maintenant, il faut que le problème qui pose. Si en masse, chaque année, ou bien des dizaines d'étudiants qui ont produit des réflexions, et automatiquement, ou bien un problème avec licence, maîtrise, doctorat. Enfin, vous mettez un succès en question. Parce que quand il y a des étudiants en masse, ou quand il y a un type extraordinaire qui produit une réflexion extraordinaire, un individu qui produit une réflexion extraordinaire, oui, ça peut arriver. Mais si c'est en masse, ou bien des gens qui en première, deuxième année, qui ont produit des réflexions, sous les plus gros problèmes, vaudou et développement. Vaudou et développement. Bon, bien, il est comme ça. On comprend. Bon, si vous avez des gens maintenant qui seulement première, deuxième année, qui a produit des réflexions comme ça en masse, eh bien, il faut remettre en question licence, maîtrise, doctorat, oui. Parce automatiquement, on dit, bon, pour qu'ils aient obligé de faire un carré tout le temps à l'école là, pour le faire ça, le café depuis la première année. Mais, c'est ce rien là. Même bientôt, vous gagnez des gens qui sont des experts, en Haïti, experts. Expert en éducation, expert en coopérative, expert en l'économie. Tout à l'heure, on t'a parlé de policiers qui ont dit sûrement pas fait travail parce que nous ne pouvons pas payer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ou imaginons que dans l'hôpital, il y a des médecins qui pas fait travail parce que ils ont aéré de salaire. Ou imaginons que l'école pour ne pas faire l'école parce que ne pouvons pas payer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que maintenant, vous gagnez la police qui n'est pas en institution. C'est seulement, s'il fonctionnait comme ça, il n'est pas en institution. Alors, si l'État maintenant n'a pas gagné un appareil, au moins, qui est le monopole de la violence, comment l'État fait, dit l'État? On voit, par exemple, sur Stéphane République 2015, dans les années 90,
Eric Chita avant l'élection te bay problème ba la guerre d'accord pour le mandat et puis on était d'accord sur ça relait la volonté de la nation véritable plan 25 ans que renouveler là et qui fait que nous gagne ça là comme République dominicaine allemand rupture la marqué nous un véritable plan de développement et puis nous rebay l'espoir pays ça pour quatre pour cas inspiré de plusieurs expériences. Il y a eu par exemple au Québec ce qu'on a appelé la révolution tranquille. La révolution tranquille au Québec, au moment dans les années 60, mais qui vient maintenant, qui vient remettre en question pendant ces deux traditions, mais là encore c'est très important, on en a parlé de Baïsaïwa. Par exemple, en Haïti, nous avons des problèmes liés également à notre histoire. Quand on ne va pas les remettre en question en Haïti, c'est divers, parce que nous sommes liés à l'identité. Là, si on parle de vaudou, ou pas qu'à dire rien que pas bon dans vaudou. Là, si on parle de créole français, qui est l'enquête de l'enseignement, eh bien, il y a une position radicale qui prend en compte que, bon, sous pas enseignant créole, etc., etc. Donc, il faut remise en question. Mais tout pays fait lit. Le, par exemple, le clergé breton en Haïti a persécuté trois biens de vaudou en Haïti. Mais, c'est pas nécessairement du racisme. L'Europe fait, il n'y a pas bon. Mais c'est pas bon. C'est pour l'homme mettre le nom. Trajectoire historique. C'est une grosse question. Si vous pouvez maintenant questionner aucune façon de faire, ou pièce pratique, sous prétexte que c'est l'équipe identité, c'est un problème que lié. Maintenant, la question de la République dominicaine, maintenant, il faut justement, côté, ça c'est pas une question qui a été dit, moi, je fais, n'a fait. Faut gagner la réflexion organisée. Faut connaître ça qui permet que, en République dominicaine, vienne gagner une classe de gens, d'hommes et de femmes qui émergeaient, qui pourraient développer une idéologie nationale, qui pourraient faire que, je crois que, faut faire un ensemble d'investissements dans des secteurs X de manière cohérente, systématique, qui est suivi. Ça permet que ça développe. Est-ce que, par exemple, tout ça ne t'a pas dit tout à l'heure de l'île, est-ce que la Dominicaine était vivio? Est-ce que tu y a un mémise, toi bien enfin, et d'étrangers, sans cadre légal, sans rien du tout, du commerce, toi bien enfin, et de trafic d'argent dans ce pays-là, comme nous-mêmes nous t'avons gagné, toi bien. Comment histoire nous fait que nous arrivons là et comment histoire République dominicaine fait que nous arrivons là? Rupture que nous faisons, quand c'est pas ou plus ça nous faire. Donc il faut, là encore, c'est ça que nous voulons la réflexion organisée. Mais, ou pas qu'à gagner, c'est pas un livre qui a fait qu'un bon matin, pas un type qui fait des sacrifices extraordinaires et puis off. Non, nous pas gagner des lieux qui fait bagaille ça yo, de manière régulière, de manière systématique. L'université pas fait. Toutes les villes sont citées là, il n'y a aucune qu'on ouvre nommer aucun étudiant haïtien. Liv Covington, Liv Alex Martin, Liv Alain Tunier, même en posant les jalons de Seigneur Vincent. En posant les jalons de Seigneur Vincent, c'est bon pour le monde à garder ça. Parce que Seigneur Vincent, c'est lui qui négociait le départ de l'Américain. Seigneur Vincent. Or, M. Podu en posant les jalons pendant le président. Mais il faut regarder comment lui-même, Dagadoun, Vincent, a fait négocier avec Américain au départ. Et comment nous pouvons le retrouver, nous retrouvons là après. Vincent lui-même, a gagné, on représente d'après lui, occupation, c'est un bail positif pour le pays. Il a écrit le droit sur blanc. Et si Vincent, qui croit que l'occupation est positive, malgré le dit nationaliste, c'est lui qui le président, c'est lui qui négocie des occupations des territoriales là. Eh bien, ce n'est pas par hasard que le était 11 ans au pouvoir, avec trois bien fait la bénédiction de l'Américain, et pour vous parler de moi, il risque pour quitter l'ambassade, il vient et président, etc. Maintenant, si pour expliquer comment Vincent pourrait pas sélectif avec une président, eh bien c'était en 1930, encore sous l'occupation. Alors Amérique a fait que Vincent, président, sans que les pas de connexion, même malgré l'unité nationaliste, sans pas de pouvoir américain. Alors, mais nous allons étudier les questions sérieuses de manière sérieuse. Parce que ce sont des questions extrêmement importantes. Pour que ça 19 ans d'occupation américaine, pas débouché son prise de conscience nationale qui fait que après nous pas même bien. Vous reprenez vous-même. Mais c'est difficile. Américain pas passé comme ça. Américain l'aile parti qui était l'armée d'Haïti. C'est pas facile non plus. L'aile qui était conscient, qui était étudié suffisamment pour te poser des questions. Comment l'armée ça a construit? Comment ça cavale contrôler? Qu'est-ce qui te pose là? Tu es très content. Au contraire, tu vois bien enfin, justement, tous les beaux jeunes, tu vois bien enfin, des familles, tu vois bien, des grandes familles, de ces grandes familles dans ce pays-là, tu es venu officier.
pour pas faire rien. Juste après un mot d'ordre des Américains, jusqu'à ce qu'en 1994, il n'est pas nécessaire encore, je démantèle les lits. Il n'est pas nécessaire ou bien nous estimons qu'il n'est pas nécessaire? Ce n'est pas nous qui disons, ce n'est pas nous-mêmes qui voulons que si l'Américain n'est pas voulu que démanteler l'armée, il n'est pas fait, mon vieux. Américain tape qui tout démantelé l'armée, qui Américain, nous sommes maintenant dans la période qui est le pays d'après-guerre froide. Bah, la mer n'a pas la même importance que le dégain pour Américain avant que l'aide de Créal là. Mais dans le cas, c'est comme on souverain de souverain. Si nous reprenons par ancien président. Bon, mais ça c'est. Bon, il y a même un livre qui écrit souveraineté comme son hypocrisie. La souveraineté souveraine, qui varie suivant les pays, suivant l'époque. Non, définitivement. Qu'est-ce qui passe actuellement là aux États-Unis par rapport aux élections de 2016? Il y a que la Russie était ici contrôlée. Et ça va bien. Donc la question de la souveraineté, c'est une question, tu vois bien, enfin. Très. Même la question territoriale, ce n'est pas des questions faciles. Mais c'est ça fait comme dire qu'il faut gagner des gens en quantité qui ont réfléchi pour que ça ait été par exemple contrôler le territoire. C'est pas nécessaire pour les gens maintenant de quitter pour contrôle pays ça après 1804. Ben regardez l'événement 6-7 juillet, vous pensez que c'est un hasard? Ah, absolument pas, je comme tu pas qu'un hasard, mon vieux, tu pas qu'un hasard. Mais là, on va être prévisible, selon vous. Mais même un article Robinson Geoffroy a écrit en septembre 2017 qui était capable de servir pour. Il était republié juste sur cette date-là, les titres où était la police et nationale. C'est petit article-là, oui, en septembre 2018. C'est même question que vous posez dernièrement là, oui. Depuis que j'ai attaqué le ça, oui, en 2017. C'était pas le même niveau, ça. Ah non, mais écoutez bien, l'histoire n'a qu'à reproduire à l'identique. Ou non dynamique, toi bien enfin. Ou vient plus ou même, mais plus mal. Ou vient plus ou pas changer fondamentalement. Non, on n'est pas capable d'attaquer. C'est comme si n'importe qui va vous mettre dans le tiroir. Et puis après, leur ouvre le tiroir sous 3 ans. Mais soit tu mets, c'est pas l'ouvre. Même on fait le papier. On prend à décomposer de manière chimique. Mais en société, c'est comme ça, il y a tout. En société, on n'a pas qu'à faire même quelque part. Tant que les problèmes qu'on gagne, si on a un problème de l'école. En 2000, ou un problème de l'école, ou pas résoudre, ou voulez résoudre en 2018. Mais ce n'est pas le même problème non, encore. Ou vous avez plus de monde, ou vous avez plus ou moins de ressources, ou vous avez plus ou moins de ressources, comme des ressources en termes financiers, ressources en termes humains. L'école, pourquoi pas pour vous changer tout, la conception de l'école, ou vous avez les cours en ligne, qui pas d'exister, qui vient d'exister. Donc, on vient d'un ensemble de conditions qui changent, qui fait que le problème qu'on a gagné en 2000 ans, il n'est pas quand même en 2018. Après, ça passe à quelqu'un qui croit que ce système, ça, on a Ouéli. Quel système? Ça n'est pas comme système politique, tout le monde va aller. Bon, il y a tout un campagne contre le Parlement, par exemple, ou ça cap divulgué sur les réseaux sociaux. Moi, je viens de lecture pour ça. Mais le Parlement, c'est que c'est lié entre même toutes ces institutions que nous créons, parce que nous sommes modernes. Qui n'est pas inscrit dans une vision peut-être. Qui n'est pas inscrit dans une dynamique qui peut résoudre un ensemble de questions. Tu vois bien? Bon, ou pas qu'à gagner, c'est un scandale. C'est Bayab dit de. Par exemple, nous ne pouvons pas maîtriser Bayab. Si Placado la combattre et la corruption, et puis en même temps de la combattre la corruption, la reproduit le clientélisme. Qui est même pour ne pas le conduire à la corruption? Parce que c'est pas qui fait le café, qui fait ça. Ou même pas les gens sur le côté de vie qui a dit, mais écoutez, là, on a un député au million de gouttes. Parce que pas de fête pour la caille. Au million de gouttes, ce qui ça va faire avec lui. Supposons le dépenser effectivement, il va mettre dans la poche. Qui est le bail? Il va y avoir des gens pour développer le lien de clientèle avec lui. Chef Rara. Au moment qui vient du cap de Pierre Boukman, il n'y a pas d'élection. Donc, on parle renforcer le clientélisme dans le pays, là, avec millions de gouttes de ça, gros bail là, chaque fois. Et puis, qui vient de cap déboucher sur corruption, tout. Parce que corruption, c'est une relation d'échange. On rend un service, ou on reprend un autre service. On reprend. Bon. Alors, si négatif, on parle, si vous n'avez pensé que ça a eu les corruptions, avec millions de gouttes de ça, même s'il dépensait tout bon vrai, oui, mais ça le permet de député à reproduire. Il permet de reproduire lien lien avec un paquet de bonnes classiques côté le sorti. Mais ça va peut-être la raison pour nous remettre la question à l'institution parlementaire. C'est définitivement non, mais il faut comprendre là, je le dis. Madame loi, je vais regarder dernièrement là, je fais une réflexion. Je prends un projet de loi finance qui était 2017 là, pas actuellement. Je vais garder.
Parce qu'on connaît que Gérard Latortu fait paraître un livre. Gérard Latortu, qui fait 2 ans comme Premier ministre dans un gouvernement d'exception, il fait paraître un livre sur l'œuvre législative du gouvernement de transition. Le livre, ça existe actuellement dans la Pléiade. On n'a pas fait publicité pour le livre là. Mais m'a dit le livre qui existe encore. Bon, il fait 2 ans, il fait un bouquet même grosseur sur loi. Et pas loi, non, décret, parce que il n'est pas de parlement. Ça se voit bien. Bon, écoutez. Et alors, c'est bizarre, le livre a réglé l'œuvre législative. Donc, le livre a pour commencer, le titre n'est pas tellement correct, parce que c'est ça. Bon, maintenant, où gagner un propre projet de loi finance 2017 là, je vais regarder toute loi qui est citée dans le visage. Vu la loi 2. L'homme fait contrôle de toute loi ça, puis il faut la loi ça, il est produit, l'homme n'est pas de parlement. Ou bien il est produit avant 86, donc régime dictatorial de Duvalier, ou bien il est produit dans le régime militaire. Yo, et dans avril, ou bien il produit dans le régime transition, c'est Dras, et dans le régime militaire, yo, c'est ça dans le tout, et dans le régime transition, c'est-à-dire où gagne le privé, la tortue. Puis il faut l'oxyté dans le visa, dans le projet de loi finance là, tes produits, là nous pas de gagner parlement. Bon, ça va le faire en bas là. Mais vous reconnaître que bien des parlementaires, pas yom vini, yom vini le plus grand chèque, ou même le plus grand million de la loi. Alors vous l'avez dit, c'est Mounio. Parce que peut-être la mouvement, c'est certain. Vous avez qui moun qui va en bas. Définitivement, mais l'institution pour qu'on parle tout, c'est comment on a créé une institution. C'est très important. Gomba yole, gomba gay, goncha, pit gay, on section, même yole dans l'essence sociale. Construction d'institution. En anglais, yole l'institution building. Mais ça faut bien des gens qui étudient ça. Parce que c'est pour affaire de m'pral zèle, non? C'est pour affaire de m'pral fond l'école, m'mettre 2-3 blocs et puis m'faire, et puis m'mettre. C'est pas aussi simple que ça. C'est des simples comme ça. Les pays comme la France, mon vieux, qui sont censés là depuis longtemps, pas ta gagne moun qui cap étudier question jusqu'à présent. Les écoles, ça fait l'objet d'analyse, de réflexion permanente dans des pays comme la France, États-Unis. Pour qui ça maintenant en Haïti? Nous pas gagner des livres, des réflexions sous mettant l'école qui nous gagne plus de problèmes avec lui. Oui, mais là, tu fais une université tout responsable. Bon, oui, mais université à tout, oui, tout ça. Mais là, c'est vous-même qui dit tout ça, tout. Mais là, regarde l'université en dedans. L'université, yo, parce que là, l'université, quand tu dis que c'est IEH, bon, mais ce n'est pas nécessairement IEH. L'université, yo, en Haïti. Mais comment l'université crée, mon Dieu? Au principe, qu'un jour, un beau matin, décider, parce que ça arrive des fois, le map traversé, et bretelle qui relie, et canapé vert. À où tu vois et l'eau tout près Tag Market. Un bois patate. Exactement. En face Tag Market là, non, oui, qui paraît là. Gon Kaimouk Maki Université, tel bagaille là-dedans. Et moi je fais quand même, par respect même pour moi, ou pas qu'à prendre 3,5 et pour ouvrir l'université. Vous comprenez? Et puis c'est comme ça, on est là pour l'université. Vous comprenez? Et puis, on n'a pas aucun système de contrôle. Le système de contrôle a corrompu. Au point où Mdagadou, même sous ta criel, on est là pour être sous-côté. Il est en train de faire pour avoir la connaissance. Et là, pas ta vlée, c'est vous-même qui avez une responsabilité. Ou vous n'êtes qui rentrez tout le pays, ça, on veut, il faut comprendre le pays. C'est pas comme ça, le pays. C'est pas tellement facile. Je vous parlais dernièrement, tu vois bien tout à l'heure, de ministres qui pas contrôlé les ministères. À l'intérieur des ministères, on avait un ensemble de réseaux qui liaient à des groupes d'influence, La violence qu'on a eue la dernière fois, le 6-7 juillet, je parle de la violence politique. Son violence que je relève, d'ailleurs dans la publication, mais, que je relève infrapolitique. C'est-à-dire que, je pense que, mon qui était, et derrière, mouvement ça, il n'y a pas tellement besoin de renverser même gouvernement. Encore moins président, il y a besoin d'accord assurer le contrôle sur maintenant des champs à l'intérieur de l'État que le gouvernement actuel a contrôlé. Je ne sais pas si vous avez besoin de dire oui. Parce que il y a un paquet de monde qui n'a pas besoin ni premier ministre, ni président, il y a juste besoin de gagner certitude que c'est nous contrôler le secteur ça. Même si, hein, en principe, son secteur qui pousse au contrôle l'État. C'est ça que nous de l'État. Et qui a contrôlé à quelle fin? Parce que ça va avoir avantage.
Oh, qu'a dit monsieur, les ports maritimes. Hein, puis, non, ça nous sommes le reste de la population dans ce cas. Hein, pardon? Le reste population dans reste ce population, cas. Population. Non, mais justement, on dit ça quelque part. C'est le problème de l'intégration dans ce pays-là. C'est que c'est pas la violence que nous gagnons. Comment c'est que l'élite dans le pays ça rencontre masse? Par la violence. Là, il y a des métiers dans le cadre de 3000 personnes, 4000 personnes, 2 pour le casser brisé. Ce sont des types qui font partie de l'élite d'affaires, ou l'élite intellectuelle, ou bien l'élite politique. Comment on fait quand on mobilise avec ça? On pense que ce matin, on pense un bon matin comme ça, on peut mettre 3000 personnes dehors pour faire des actes civils. On peut mettre un peu de monde dehors de manière et spontanée. On fait un scandale, non cafou. Mais ce n'est pas conduit nécessairement à autant de choses que ça, si c'est été conduit. Mais ce cap. Créer une violence consentie qui est orientée, une violence qui gagne soit dans ta guêpe. Sans que le pas gagne, parce que moi, je ne suis pas sorti avec des demandes politiques. Si 7 juillet, ou pas gagné, faut le président aller. Si 7 juillet, ou pas gagné, faut le premier ministre aller. Ou pas le gagner après. Le forum du secteur privé, pas le faire paraître une note, qu'on te demande au gouvernement démissionner. Ou pas le bon ensemble d'autres leaders maintenant politiques qui parlent dit ah, une situation ça, il faut que le premier ministre aille. Ce sont des demandes qui parlent suivre. Mais si 7 juillet, ou bien casse, qui pas accompagné de demandes politiques. Ou bien un message qui fait là, son message, on comprend, qui veut dire secteur ça, c'est pour nous pour contrôler. Pour moi, c'est ça qui est une violence infrapolitique, c'est-à-dire une violence qui est faite par des secteurs pour faire comprendre maintenant à l'État, comprendre que ou pas l'État. Il y a une certaine manipulation. Manipulation. De monde qui était peut-être dans la rue. Oui, c'est ça me relève maintenant. Comment Masla rencontre la loi. C'est pas cette voie-là. Chaque fois que Masla a existé, c'est pour l'écraser, pour le briser. Et puis maintenant, qui est-ce qui a fait? C'est pas Masla encore qui a fait. Même s'il n'y a pas de conséquences. Ah, mais définitivement oui. Mais là où on entre maintenant, justement, on réflexion pour produit pour dire ça. Comment Masla a payé les conséquences là? Là, sur l'autre question, comment le pays là? Vous comprenez? Hein? Comment? Sur la question ça déjà mes écrits. Comment justement, au carré un bon matin comme ça, un monde qui fait des contacts et puis il mettait 4000 personnes dehors avec qui peut faire des manifestations orientées. Parce que c'est toute une différence entre le monde qui prend la rue, qui fait scandale, mais là, il y a une manifestation orientée. On va me penser sur ma modèle, une manifestation orientée. Mais qui n'est pas orientée dans le sens qu'il y a besoin du gouvernement parti. Parce que ça, on va le suivre après. Parce qu'on va le gagner, une tentative de récupération. Une tentative de récupération, ou bien de nouveaux leaders, tant que vous êtes dans ce monde de grève, quoi, c'était pour lundi. Ou bien un paquet de bandes qui n'ont pas de gagner. Tradition passer mon d'ordre politique qui vient passer mon d'ordre politique. Parce que peut-être qu'on brèche qui crée. Évidemment, oui. C'est des opportunistes. Opportunistes à la licence technique. C'est-à-dire que on a une maladie et vous avez 15 maladies après. 15 maladies, c'est maladies, les maladies opportunistes. Même bientôt. Donc, on brèche qui crée. On ne peut pas qu'il faut fêter rentrer. Bon, je vais maintenant vous refermer. On va vous fermer avec la question conjoncturelle là. Le choix du Premier ministre. Le 6-7 juillet, la cause du chef gouvernement et le docteur Jacques Lafontaine a démissionné. La même consultation qu'a fait depuis tantôt 2 semaines. Vous même, soit tu dois aller dans qui sens. Tu as plus ou moins permettre que. C'est ça, bah, il pas connaît. Écoutez, mais qu'il n'est pas que pas connaît, mais. On parle des secteurs dans ce pays-là. Combien de secteurs qui existent? De chaque jour, vous dites que le secteur, ça rien les oublié. Bon. Combien de secteurs qui existent? Bon, si maintenant. Que tout secteur ça y a. Et parti politique, ça y est représenté. Et ma précarité a fait ça. C'est-à-dire que. Pardon? Et ma précarité a fait ça. Nous saluons toi, société à jeune, société à en existé. Son société qui émiette. Donc chaque bout à un secteur ou même, secteur des médias. Mon secteur des médias, il est représenté. Par contre, nous, il ne va pas parler de lui. Encore un secteur de la presse, des médias, il est là. Mais tout à l'heure, un secteur. Chaque monde fait ses affaires. Voilà. Bon, maintenant, dans cette situation-là, on voit comment, si c'est ça, on va faire consultation. D'abord, c'est même dans son piège, même. Notre vocabulaire est piégé. Depuis que vous pouvez rencontrer les secteurs vitaux de la nation, c'est soit des expressions courantes que puis y a rien. Les secteurs vitaux. Qu'est-ce que c'est vitaux? On comprend. Bon, ça sont premier problème. Deuxième problème. Le parc, dernièrement là, m'a essayé de réfléchir sur justement, sur maintenant, et les porteurs de l'État. C'est les ouïzous.
terre qui. Bon, si maintenant on a besoin de garder l'État dans ce pays-là, de 86 ans maintenant, qui est-ce qui vient, par exemple, le ministre des Finances ou ministre de l'Éducation nationale? C'est au départ avant. Moi, je me suis posé la question, ça. Parce que là, encore un autre problème que nous avons, nous pensons corruption, népotisme, pas respecter les règles. Vous comprenez? Tout le monde, nous ne pouvons pas rencontrer dans l'entreprise privée, nous ne pouvons pas venir dans le milieu universitaire là. C'est où les corruptions, c'est où les clientélismes. Vendre papier, vendre diplôme. Pas qu'on parle de collège privé, c'est pour vendre papier. D'où vient-il qu'on élève 10, 20, 30 ans qui fonctionne dans le système, ça, dans la société ça. Quand vous parlez de moi, des mouillons aux questions ça. Quand on dit, soit tu as fait avant. Soit tu as fait avant, comment tu as fait? Ou bien des gens qui notaire, qui professeur, qui avocat, qui médecin, qui entre maintenant dans l'État. Posez aux questions. Quand on dit, parce qu'il y a ce qu'on appelle la circulation des élites. Si on prend par exemple un livre qui est écrit sur l'État en France, et bien il n'y a pas le montre comment ou gagner des gens qui font le va-et-vient entre le privé et le public. On dit tant Emmanuel Macron, par exemple, qui est actuellement président français. Bon, mon profil, qui profil typique de l'homme politique français, un type qui est diplômé dans l'école et puis qui est entré dans le secteur privé en haut niveau et puis qui est maintenant entré dans la politique en Haïti ou bien ça, qui l'école ou qu'a connu de pour nous montrer là-dedans et puis automatiquement et puis il a été créé une école qui était l'école des hautes internationales. Première école qui était créée au début des années 50 par Maniga, c'était pour former, tu vois bien, enfin. Des cadres pour la diplomatie. Yo, viens me faire ça. Inagé. Qui cadre Inagé et... Alors, je dis à la ligne plus difficile pour choisir un monde là, comme premier ministre. Par rapport à la compte de tout paramètre. Oui, parce que des pièges. Parce qu'ils n'ont pas qu'un vocabulaire qui. Mais il faut choisir quand même. Bon, oui, choix. Mais ben voilà, c'est ça que fait, vous faites. C'est ça. Mais non, on va faire, on va finir pas. On va pas faire, on va finir pas faire, mais ça va venir quoi, bon méthode. Parce que si, constitution, on dit qu'on peut faire, oui. Ah, voilà. Bon, pour que sa constitution, maintenant, on va pas faire les gens constitution, on dit. Non, mais c'est une constitution claire, parce que c'est ma majorité. Qui n'a pas de majorité? Faut consulter le président. Qui n'a pas de majorité? Vous ne venez pas de majorité encore? Voilà le problème de la partie politique. Vous avez toujours dit que vous avez majorité. Non, vous majorité, mais non, vous majorité qu'on constitue, mais pas. Le regard de quantité du PHTK, il ne peut pas permettre que vous majorité seulement PHTK. Maintenant, puisque la réalité est salée en bas, vous obligez à consulter le président de Brèche Parlement. Eh bien oui! Ouais, mais là. Mais c'est pas cela, c'est pas seulement en Haïti qui a un régime qui dit comment pour faire un premier ministre. Ou bien des c'est les gouvernements minoritaires. Et... Mais sur le gouvernement de cohésion, vous voulez parler à tout le monde. Tendez ça tout le monde. Mais c'est sa partie politique que vous représentez. Sous son parti politique, ou pas représenter paysan, ou pas représenter secteur femme, ou pas représenter secteur jeune, ou pas représenter. Quel est le nombre de secteurs qui a existé? Bon, qui secteur représenté? Ou pas qu'à dire? Bon, la conséquence. Alors, pourquoi pas tu vas gasser dans le cage? Et pas qu'il va gasser, il n'y a pas gagné du tout. Non, c'est pour sa partie à exister. Partie à exister pour attirer des intérêts, c'est sur l'articulation d'intérêts. Ouais. Mais si partie à passer, c'est à dire au final, partie à lui ne pas libérer au secteur. Le secteur des partis politiques. ça fait rire. C'est rigolo. Le secteur des partis politiques. Mais parti politique a justement, par définition, l'idée pour fonction pour mettre ensemble les différents secteurs, les différents intérêts qui existent dans la société. Donc, de vous rencontrer les 10, 15 partis politiques qui existaient, vous faites pour qui déjà représentant dans le Parlement. Vous n'avez pas oublié, gagner quelques temps de ça. Je t'ai financé parti politique yo, à partir de ce que j'ai gagné dans le Parlement. Absolument. Donc, dans le Parlement, pour que ça ne soit pas capable avec parti c'est qui est dans le Parlement, pour une autre question, qui censé vous présenter la société là? Bon, les autres, oui, à côté de ça, il ne faut pas la reduire, il ne faut pas la catholique, il ne faut pas la protestant, il ne faut pas la monde secteur privé. Plein secteur, vous n'avez pas les multiples. Bon. Des sous-secteurs, on va bien finir. Donc, on prend en pied, parce que vocabulaire à tous, vocabulaire à son obstacle et tout, à la solution pays. Bon, vous avez dit, l'autre, j'ai un profil là. Pour ce profil là, profil pour émis. Je dis à pour finir. Pas bon entraînant. Il faut ce monde qui est consensus, ce monde qui comprend le problème pays, ce monde qui comprend la misère, peuple. Ça, tu voulais dire. Écoutez bien, mon Dieu. Écoutez bien. Ce bail se règle de manière institutionnelle. Comment nous, constitution dit comment. C'est ça que nous prenons piège de la modernité. Constitution dit comment pour être faite. Par exemple, il y a des gens qui disent, mais pour que sa constitution n'a pas appliquée. Depuis pour que sa constitution n'a pas appliquée, on va prendre ensemble d'autres problèmes. Mais pour que ça ne soit pas appliqué, on va prendre ensemble d'autres problèmes. Et à ce moment-là, maintenant, on va ouvrir, pour ça qu'arriver, qu'on va avoir des solutions extra-constitutionnelles. Ce n'est pas grave qu'on ait une solution extra-constitutionnelle, mais il faut qu'on ait une. Je dois bien.
Gagnon paysan gagnon bon divorce entre tout ça qui t'a cabot et produit de la réflexion de la pensée et ça lié à notre histoire parce que pour ça paysan pu traverser pas ça le anti-intellectualisme et à ça aussi parce que même le ou c'est voilà pourquoi je parle de masse critique même on t'a produit des réflexions. N'ayez pas gardé toute une liste de gens haïtiens qui font effort pour produire une réflexion. Pas jeune, moi, on a meilleur. Même dans l'université, on va y dire. Même dans l'université, on va faire cadeau. Mais non, c'est justement ça. C'est ça encore le problème. Nous faire des choses et puis nous pas demander nous est-ce que c'est l'une affaire vraie. Prenons par exemple cette affaire d'études africaines qui crée dans l'université depuis plus que 30 ans. Nous pas produire un africaniste, bon Dieu. Nous pas gagner un africaniste. Quand même, comment faire? Comment qu'a décidé pour faire un bagage pour pas qu'a fait le vrai? Non, mais faut pour le faire bien, il faut inscrire nos visions. Le fait que pas inscrire nos visions, c'est normal, ben ça, ben là. Nous qu'a dit, oui, mais nous qu'a dit, parce que c'est beau, oui, ça encore, voilà encore, on l'a fait de la. De la mentalité magique, c'est le pouvoir du verbe. On peut le faire, on l'école là, et pour penser qu'on fait le vrai. Le pouvoir du mot. Comprenez, moi, je suis un docteur. Et puis, je pensais docteur vrai. C'est bon. La France comprend ça. La France est en train d'en jouer ça. Elle se comprend. Donc, il y a des gens qui sont experts en Haïti. Il y a des Français qui sont experts en Haïti pour Haïti. L'un entre en Haïti, depuis que vous avez un Haïtien qui est capable de parler avec eux, ce n'est pas par hasard. Ils sont toujours à la fête de l'exotisme. Bon. Français n'ont pas tellement aimé le monde qui gagne un profil comme Leslie Maniga. On dit Leslie Maniga. Comprenez? Non, Leslie Maniga. Ils connaissent trop Leslie Maniga en France déjà. Il y a trois personnes qui ont attaqué les Slimaniga en France. Il n'y a pas qu'à l'Ubisson Haïti pour aller à Slimaniga pour aller parler. Il y a besoin de monde qui pour dire les bagailles pour aller dire en France pour tout pour dire ça, ça y est. Vous comprenez? Il y a même rencontré un monde qui pensait que au café démocratie, ils n'ont pas besoin de gagner élection. Il y a même un monde qui dit ça. Vous comprenez? Bon, de toute manière, nous avons besoin de travailler pour nous reprendre. Ah bon, mais ça, oui, mais il faut commencer par s'asseoir et prendre ça au sérieux. C'est pas une plaisanterie. Même dans le métier pour là, pendant l'ordre du monde qui a défait chaque jour non, dans les médias pour bâiller une solution. C'est terrible, mon vieux. Chaque pour des solutions. Il n'y a pas invité moi-même. Écoutez, en tout cas. Bon, malheureusement, non, je veux dire, nous approprier un espace là, oui. Oui, mais il faut gagner des réflexions. Ça, son bagage, bon, il faut gagner des lieux où sérieusement les gens font des choses comme ça. Et puis, en pile, le monde prend la donne. Les maires, le monde qui n'est pas passé l'école. Là, on doit aller au Cap, on doit aller, bon, d'abord, les trous du Nord, on ne peut pas dire, mais non, ça, trous du Nord là. On doit aller à l'Imbé, on doit aller au Boy, et pour rencontrer des gens, on voit qui cadre, qui parle avec le développement local, qui parle avec de mairie, qui parle avec de. On mairie, mon vieux, dans le pays. Ça, ou mandé au monde qui mène un pays, moi, il n'y a pas qu'on est, il n'y a pas supposé qu'on est. Si vous allez, et pour la de mon pas de la table, pas de nous avons l'argent, on va dire que la de mon pas de moyen. Bon, ou pas comme mon moyen, on va dire l'argent, c'est pour faire qui ça. Bon. En tout cas, bon, parole en pile. Parole en pile, oui. De toute manière, souhaitez via l'émission atteindre votre contribution par où par rapport à ça qu'a dit, ça a débagué là. L'idée pour que nous changer ça gagne là, l'idée pour nous renverser tendance, l'idée pour faire de l'autre choix. Qui va permettre finalement nous garantir son pays, écoutez tout le monde qui a vivre là-dedans, on paye tout côté surtout jeune, capable de prendre espoir. Parce que ça, les fondamentales, et quoi sinon, voilà, capable plus compliqué. Merci à vous, professeur Alain Gilles. Merci pour l'invitation. Je souhaitais que bon, moi répondre à certaines de vos préoccupations. Et puis, à la prochaine, on va. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Alain Gilles, professeur université, et puis il est avec nous matin, sociologue de son état, pour nous garder la réalité, et puis perspective, et faire des propositions, pourquoi pas, à un monde qui doit décider. Tout avec toi en direct, parce que tu passes une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup.